d'un report qui cache une voix. D'un rayon du dollar à mort à place des cossins, ses étagères. Jamais su son vrai nom, je me disais quoi tu devrais le savoir. Avec des boutons, des gros tétons, pis les dormoirs. On l'appelait petite charrue, c'était le nom que lui avait donné ses frères. Il était dans même école, je sais pas combien qu'à peine avoir. C'était pas tout des bols à ce qu'il faut croire. Elle est minutieuse et à son affaire. Elle prend soin de la vaisselle de verre fabriquée par ses amis les Chinois dans la grande famille de Dolorama. Avec tout ce qu'il faut pour rien avoir, rien avoir d'autre qu'une mauvaise marche. Ça sentait la grosse misère. Elle était dans son petit coin. C'était encore trop grand, faut croire. Avec des boutons, des gros tétons, pis les dents noires. A décidé de flasher l'école. A commencé à peine le secondaire. Paraît qu'elle était enceinte. Mais ça c'était digne des histoires. Tout cas, paraît mieux. C'est bête à dire, mais je suis content pour elle. Elle aurait pu finir dans une poubelle, tripotée par des salauds et des rats, comme plusieurs de ses amis les Chinois. J'imagine que c'est très valorisant, veillé à satisfaire son client. Assis-tu comme ses amis les Chinois. Merci, bonsoir, ni hao, sayonara. J'espérais ici déjà. Ça doit être la petite charrue qui m'a troublé. Je me souvenais plus ce que je faisais là. J'ai viré le coin bien vite. J'ai ramassé une paire de bas. Avec plus de boutons, des gros tétons, puis un partiel. J'ai continué de marcher dans la. Ça vaut pas cher, mais ça fait bien pareil. Quand je lui dis tu reçois ton chèque de paie.